Tiens, c'est ton fils. Donne. Passe-moi le portable, par en dessous. Allô, Vincent ? Oui ? C'est alors. Oh, c'est arrivé quand ? Mais... Tu pleures, là ? Quand même. Mais elle est morte de quoi ? Oh, bah, pif. Elle est morte dans son sommeil ? Et pouf. Et craque. Oui, enfin bon, pif, pouf, pchit, ça va bien, c'est facile quand même. Vas-y, mémé ! C'est quoi, c'est une inhumation, une crémation, vous savez ? Elle a rien dit, ta grand-mère ? Non, mais dans ma famille, la question se pose pas. Papa. Cher ami. Non, papa, c'est moi. Oh, pardon, c'est vous, enchanté. Oh, non, non, écoute, papa, ça suffit. Bonjour, vous appelez pour un proche décédé, dites décédé. Décédé. Ça fait 3 heures qu'on cherche partout, maman a déjà appelé Henri Boublet. Qui ? Il s'occupe d'une entreprise de pompes funèbres, et il attend ton appel. Non, mais je rêve, c'est ma grand-mère, fais ce que je veux. Une très belle verticalité. Mais les chips, on dirait une bassine, je sais pas la mettre là-dedans. Yul Brynner est enterré dans le même. Bah, je te rappelle qu'on n'a pas de quoi flamber. Elle te fait les obsèques de ta grand-mère, ta belle-maman. C'est votre femme qu'on va parler tout à l'heure dans le cimetière. Tu te barres, tu vas aller retrouver ta petite femme, là, puisque t'es pas capable de la larguer. Elle a son petit caractère, hein. Faites un coup, mémé, sors ta bite et nous fais pas mais, chier. Non, mais oh, oh, oh. Non. C'est quoi ces tubes ? Des urnes. Des urnes ? Ça, c'est le papa. Ta thermos. Les papiers sont là, tout va bien, simplement il nous manque le corps. Adieu Berthe. Adieu ma petite demoiselle. Bonne éternité.